Sur la question, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour les proches aidants. Surtout que quand j'étais enfant, j'ai pas tellement voulu qu'on m'aide. J'ai un peu évité les coups de main qu'on a voulu me donner. Je crois que le plus important, je crois que c'est de parler de la maladie. Ça va nous concerner en tant que proches aidants, parce que ça va nous permettre aussi de parler de notre réalité. Je pense qu'au niveau de la maladie psychique, en tout cas, il y a un grand tabou social encore. Donc, si on arrive à parler de la maladie psychique, on arrive à que le tabou s'arrête, ben, en tant qu'enfant de parents malades, ce sera plus simple de parler aussi. J'ai trouvé intéressant la présentation ce matin par rapport au groupe de parole. Peut-être qu'enfant, j'aurais apprécié pouvoir partager avec d'autres personnes qui vivent la même réalité. Je trouve toujours agaçant quand des professionnels nous disent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui serait bien pour nous. Tandis qu'avoir quelqu'un qui vit la même chose, c'est peut-être plus simple à entendre. Et je crois qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait maintenant, c'est parler de la thématique, de sensibiliser tant à l'école, les médecins, les infirmiers, pour qu'on prenne soin des enfants qui sont à côté de l'adulte qu'on soigne.